travail du métal tout tordu. C'est flippant de se dire que tous ces gens sont morts ici. Pourquoi c'est toujours aussi surveillé? Ils sont pas censés restaurer le bâtiment? C'est louche. T'as peut-être raison. Qu'est-ce que je dois chercher, Bugs? N'importe quel appareil ou composant capable d'émettre le signal. Ça a l'air de provenir de sous les décombres. Je connais la musique là. Je vais essayer de me coller un peu plus. Hop là. Pas de dark, nos bottes ont endommagé. C'est quoi ça? Vous y êtes. Le signal provient de ce fragment d'Arachnobot. On ne sait pas encore à qui il appartient. Comment il est arrivé là? Et pourquoi il est dans cet état? Difficile à dire. Mais avec une reconstitution RA, on pourra peut-être savoir ce qui lui est arrivé et si c'est lié à l'attaque. Accédez au relais de données dans les environs et je pourrai compiler suffisamment de données pour une reconstitution en RA. Ouais, pas ouf, pas ouf les passages. Hein. Détecte de loin quand même les robots. Par contre je l'ai dans un trou. Pas où mais j'ai l'air coincé.
Attends, je vais dans l'ombre. Ouais, je prends deux chemins différents là. Ah ouais, peut-être. Écoute, on va y aller à pattes. Comment un jeu pour l'instant, je veux dire, c'est le début. Je vais pas dire que c'est le meilleur des jeux. L'intrigue au tout début, elle pouvait de bien donner. Après, là, je suis que des phases de recrutement et tout. C'est pas vraiment des encore grosses missions. Quoi, de donc, je sais pas où je vais aller. Bon, par contre, la conduite, elle est toujours à chier. Il y a quelqu'un qui me voit. Dégage. Ça dégage. Hop. Deux choses en même temps, moi. Encore un relais de données, je l'aurai. Je sais pas si c'est de la clé de quoi, mais... On récupère. Il est où l'autre? Non, je suis à côté, je le vois pas, c'est une blague ou... Comment c'est en dessous? Bah, des bugs, non, à part que j'ai eu un blue screen, mais non. Ah non, je fonce dans le tome. Il faut entendre recharger. Et s'il y a un mec au bout. Bah non, ça attend, regarde, j'ai pas eu de stream pendant deux jours. Et les vidéos de ces 36 là. Peut-être encore, peut-être encore un peu dans le plot. La carte graphique au même. Aux mêmes fréquences que la 3080 de Nvidia, on verra bien. Ça tout à l'heure. Bon, je vais quoi toi? Soit ils l'ont trop overclock, Messi, ou je sais pas, on sait rien. C'est chelou. C'est chelou. CTOS AR, Data Reconstruction in Progress. Vous avez le pognon? Merde, tu crois qu'on se dégonflerait? Je me méfie des chiens de Kelly. Chien des Kelly? Oh merde! Le clan Kelly est impliqué dans les attentats? C'est pas vrai!
Les Kelly avaient aucun intérêt direct à faire ça. Quelqu'un a dû les engager. Putain, la nana qu'ils ont rejoint, elle doit faire partie de Zero Day. Eh bien, ne restez pas immobile comme ça, continuez à chercher. Bugs, t'as réussi à trouver par qui il était piloté, l'Arachnobot ? J'ai entièrement déchiffré le signal utilisé par l'Arachnobot. Et bien que je ne puisse pas identifier d'utilisateur spécifique, il s'agit d'une immatriculation utilisée dans les services de police. La police a vu les images des attentats au moment où ils avaient lieu ? La reconstitution continue derrière les gravats. Ah, super ! Le Pentagone a déjà sorti sa technologie des tunnels quantiques ? La technologie des tunnels quantiques n'apparaîtra pas avant au moins 10 ans. Mais les arachnobots et les drones existent déjà. Vous pouvez en essayer un si vous n'avez pas envie d'attendre. Pas bête du tout. C'est bien, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je l'ai fait involontairement le truc. Et si vous tourniez vos globes oculaires vers la cargaison de ce fourgon ? Entendu. Nitrogène RDX et un système de détonateur parfaitement similaire à celui de la bombe cachée au Parlement. C'est bien le genre de Zero Day, ça. Là, vite, on a d'autres livraisons. On vous a embauché pour fournir toutes les cibles ? La ferme, on n'a pas plus d'infos. Zero Day avait plusieurs équipes sur le coup. Une vraie partie d'échecs. C'est indéniablement une bonne manière de réussir une attaque massive coordonnée tout en restant anonyme. Zero Day avait besoin de main-d'œuvre. Il faut le puisse faire un lien direct avec eux. Pas besoin d'être la meilleure IA détective du monde pour se rendre compte que ces attentats ont profité au clan Kelly et à Albion. Malheureusement, c'est le maximum que l'on puisse tirer d'une reconstitution en RA. Mais si nous pouvions interroger le mystérieux agent qui les espionnait à l'aide de l'Arachnobot, il ou elle pourrait nous en dire plus. Bah yes. Maintenant, seul truc, c'est de sortir. Que vu que je suis rentré à l'arrache... Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, là, il y a des points, quelque part. Ouais. Je vais chercher que... Shit! Personne? C'est con, je ramasse. Je ramasse pas d'armes. Toi, je tue des gens avec des mitraillettes. Ça aurait été sympa de les ramasser, les mitraillettes, quand même. Par des robots, mec. Je déconne pas. Qui ça casse ? Non, mais c'est ce que je trouve con. Justement. Bon, du coup, le problème, c'est que je suis descendu avec le camion. En remontant la piste du numéro de série, je vois que l'Arachnobot a été attribué à New Scotland Yard il y a 3 ans. Vous en saurez peut-être plus sur son utilisateur ou sa mission une fois au commissariat. Ils savent qui était responsable des attentats depuis des mois. C'est une conspiration de tarés, ça crève les yeux. Le seul moyen d'en avoir le cœur net, c'est de mener l'enquête à New Scotland Yard. Bah yes. Allons dans le commissariat, allons nous jeter dans la gueule du loup, écoute. Salut, ça va ? Pardon.
Oh mais la vue elle est tellement dégueulasse. C'est même pas une vue suivie quoi. Albion contrôle le commissariat. Et tout le service de la police. Mais ne vous inquiétez pas, si ces mercenaires privés ne vous conviennent pas, vous n'avez qu'à ouvrir votre business dans la rue. Super. Je suis pas fan des flics, mais je les préfère encore aux militaires. Ne vous inquiétez pas, on ne voit pas la différence à part les uniformes, les armes d'assaut et que l'appât du gain supplante leur sens du devoir. Bon, toute donnée ou info sur l'arachnobot devrait se trouver par ici. Après, je me jette dans la gueule du loup, quoi, un truc de ouf. T'as une blague, là ? C'est une putain de blague, ou ? Ah, y a toutes les portes elles s'ouvrent sauf celle-là quoi. Ah, shit. C'est trop bien cette araignée. Ok, c'est une sortie. On commence les recherches. Rien à signaler. On va voir ailleurs. Et là... Yes! Merci Floel pour le passage! Puis bonne nuit à toi, puis à la prochaine, puis. Oh! Ça m'a fait peur!
Hop. Ça dégage. J'irai la voir tout à l'heure. Je peux pas la délivrer, elle. Oula. Ok, on va y aller. On va y aller nous-mêmes. Gueule pas comme ça, putain, t'es con. Je veux pas de kill. Eh bien voilà, vous êtes doué pour vous faire des amis. À mon avis, si Albion voulait l'enfermer, cela veut dire que son aide nous serait précieuse. Tout juste. Je sais pas quoi. Donc c'est au-dessus. Tirer comme toi. Tu t'es pris pour un chat.
Je sais pas si on peut le détruire ça. C'est embêtant du coup. Je peux même pas les détruire. À ce que je pense, Bagley. D'après le numéro de série, cela correspond au morceau d'arachnobot trouvé dans les décombres de la TOAN. On doit pouvoir trouver le dernier utilisateur. Faites sortir l'arachnobot de cette pièce. J'ai besoin d'une connexion directe pour en savoir plus sur notre ami violemment disséqué. Ouais, ça marche. Ouais. Ce passage ici pourrait constituer une bonne issue. Même amoché et avec des pattes en moins, l'arachnobot peut toujours sauter et passer dans les conduits d'aération. C'est pratique pour traverser le bâtiment en toute discrétion. Le truc, c'est qu'il faut que je trouve une sortie. Bordel, il faut aller où ? Voilà, peut-être. Wesh, faut aller où ? Putain, les PC water cooling et tout, regarde. C'est un morceau du système de détonateur à distance utilisé au Parlement. Si la police, ou plutôt Albion, l'a analysé, il devrait savoir que DeadSec n'a rien à voir là-dedans. Merde. Le masque de Dalton. Ils ont dû le récupérer au Parlement. Ce doit être tout ce qu'il reste de lui aujourd'hui. Pourquoi il est pas mort ? Non, c'est pas ça. C'était déjà ça. Eh mince, vous avez vu toutes ces cochonneries? Vous devrez sauter par-dessus pour atteindre la prochaine ouverture. C'est un peu la queue de l'araignée quand même.
Attends, je peux pas pirater les autres trucs. C'est dommage, je peux pas pirater les caméras avec. Vous y êtes presque. Faufilez-vous jusqu'au bout de ce dernier conduit de ventilation. Je vois bien l'arnaque. J'en ai marre. Prépare-toi à moi. Quoi? Elle sort d'où, elle? Attends, en plus y'a quelqu'un qui me voit, c'est une blague. Mais non, j'arrive pas à le reprendre. Oh non, faut que j'aille le chercher. Scan de l'arachnobot en cours, j'accède aux lecteurs internes. Vous devriez décamper pendant que j'analyse les données. À moins que vous ne vouliez expliquer votre effraction à vos nouveaux amis mercenaires lourdement armés. Ok. Un truc en bas. Hop, regarde, j'avais tout prévu. Le fragment d'arachnobot que vous avez trouvé comporte un module GPS satellitaire, programmé pour envoyer régulièrement son emplacement à une station au sol. Ça va nous emmener de plus en plus loin, cette conspiration. Je vous envoie les coordonnées de cette station. C'est toi qu'on va être tranquille un peu, là. Coup de main ? Comment on entre ? Je détecte un réseau de surveillance qui couvre une zone sous le pont. Si vous vous branchez dessus, vous pourrez peut-être jeter un œil à l'intérieur. D'après son historique GPS, l'arachnobot que nous avons retrouvé envoyait régulièrement des pings à ses coordonnées. Notre témoin mystère des véritables terroristes a dû fréquenter plusieurs fois ce paradis de l'humidité. On peut dire que c'est discret. Ça me paraît idéal pour faire des trucs chelous. Ou pour balancer discrètement un cadavre dans la Tamise. Shit.
La discrétion reviendra. Hein. Alors j'espère ne pas me faire attaquer dans le dos, hein. Ça serait con. Eh ben, on est tombé sur une planque de flics. Eh bien, si Albion venait marcher sur vos plates-bandes, vous aussi vous chercheriez un endroit où planquer votre goûter. Et on dirait que notre agent mystère voit les choses en grand. Du coup, il est remonté jusqu'au coupable des attentats. T'en dis quoi, Bagley? Cet ordinateur est assez poussiéreux pour tuer un asthmatique. Vous pourriez y trouver quelque chose. En tout cas, il a fait la fête ici, hein. Voilà. Notre disque dur. Ici l'inspectrice Kathleen Lowe. Enfin, l'ex-inspectrice depuis la manœuvre d'Albion. Fini la métropolitaine. Les huiles de la police ont déjà enterré les preuves. Tout ce qui impliquait Albion et le clan Kelly dans les attentats. Mais je sais que la bande de fumier de Mary Kelly est impliquée. Et dans d'autres crimes sur lesquels on pourrait enquêter. Avec des amis, on est prêt à bosser sous les radars. M'en prendre encore à Mary Kelly. Comme quoi, je retiens jamais la leçon. Vlog de l'inspectrice Kathleen Lowe. Le clan Kelly et Albion ont passé un accord. J'ai pas tous les détails, mais il s'agirait de trafic d'êtres humains. Le centre d'accueil européen est l'outil d'Albion. Depuis les attentats, ils peuvent arrêter n'importe qui dans la rue. Ils disent que c'est un clandestin, un potentiel insurgé de DedSec, peu importe. Mais on sait d'où vient vraiment le danger. Le clan Kelly embarque tout le monde, sans distinction. Immigrants, déportés, tous des victimes, qui sont ensuite envoyés ailleurs. Mais où? Et surtout, pourquoi? Et on en revient à la chef en personne. Je savais qu'elle mijotait quelque chose, mais elle a réussi à s'en tirer. Je ne vois qu'une seule solution. La surveillance permanente de Mary Kelly. Si je me fais choper, eh bien... ce sera mon dernier message. Mais je dois savoir ce qu'elle cache. Donc elle s'est fait choper. Dit que c'est son dernier message. Donc, notre mystérieuse agent était l'inspecteur Kathleen Lowe. Apparemment, elle traquait Mary Kelly sans relâche et son enquête l'a menée jusqu'aux attentats. Oh. Merde! Albion fricote avec le clan Kelly. Il manque plus que les reptiliens et on a toute la team conspiration, là. Il semblerait que tous les éléments peu fréquentables de Londres gravitent autour de Zero Day. Dès qu'on tire un peu sur un fil, on en revient toujours à ce groupe, clan Kelly et Albion inclus. Bon, je vais pas rester planté là pendant qu'ils enlèvent des mecs dans les rues. À en croire l'inspecteur Lowe, Albion participe à cette opération en passant par le CAE. Les détectives comme nous appellent ça une piste. C'est ça qui a aidé son stream à régler un problème. Chapitre, quel est commencé ?